Run, mais c'est chaud. Y'a bête. Uran, ça peut être bien avec ce brillac, mais c'est tout. C'est vraiment chaud en fait. C'est fort, Enzot. Dans des bons setups, oui. Genre. Avec bête, ça peut être quelque chose, mais c'est pas évident. Avec mecha, ça peut donner une option boîte à bombe qui est vraiment cool. Et avec Morivor, ça peut être pas mal aussi. Et Murloc surtout. Murloc, j'aime beaucoup. Plus que Morivor d'ailleurs. Murloc, genre la 3-3, le Murloc Kavok, c'est vraiment cool. Mais là. Là, j'ai pas tellement de bonnes options en vrai pour Enzot. On va essayer de trouver un token, genre le pirate serait cool. Nice. Du coup, pour château, on va up poser. On peut rush 3 peut-être avec Enzot, avec le roll en plus. Parce que c'est une excellente, 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 excellente game pour rush 3. À cause de Rilak plus Gangrené ou Rilak plus Monsieur Gem sans Murloc. Genre la game est incroyable pour genre 3. D'ailleurs, c'était une game où Arana aurait pu être giga cool. Après, j'avoue que si le shop est vraiment bien, je peux acheter deux au prochain tour. Hein. Non, Zef. C'est une game quoi? Excellente, excellente, excellente game pour H3, je pense. Excellente. Excellent. Bonsoir, la boule qui roule. Comment vas-tu? Top. Yeah. Naota, Critérus qui joue bête. 4A. Ouais. Ok. Je vous souhaite un bon combat. J'ai pas suivi le jeu depuis longtemps. Je suis tout excité. Découvrir les nouveaux pirates. Ils sont cool les nouveaux pirates en vrai. Il y a moyen de faire des bonnes dingueries. Viens mon pote, hop. Hop, hop. Et déçu. Ah, oh, je suis déçu, déçu, déçu. Viens mon pote. On est trop bien, t'as 23. Vardon, hop. Ouais, ouais, salut, bah. Ouais, let's go, youhou. Oh, let's go, putain. Oh, magnifique. Ah, oh, je suis heureux. Ah, mec, Kiap, ça me rend heureux. Elam, c'est un peu mauvais, non? Ouais, enfin, il y a moyen de faire des trucs avec Elam, mais c'est chaud à mettre en place. C'est très, 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 très chaud. Non, tu peux aussi jouer avec genre le trompettiste, mais il en faut beaucoup. Ou bien un setup où t'as genre deux nomis très tôt. Ou bien si t'arrives à avoir très tôt l'Elam. Ah, il n'y a pas les Elam. Mais l'Elam qui scale en ta 24, c'est une tout nomie, ça peut être pas mal. Ou Elam qui scale une tout Vifand, ou plus le Enzot, quoi. Il y a moyen, mais pas évident. Donc Ara pourquoi pas, Rilak insane, Gangrené insane. Le truc de Gem insane, on aime bien faire une combo avec ça. Les rolls pourquoi pas pour trouver. Quitte à sacrifier des points de vie, c'est fine. Mamma mia, c'est nul là. Ok, cool. C'est mieux de le faire dans l'autre sens, sign tout ça. Genre, lui, après lui, je suis pas censé le garder. Alors que lui, je suis censé le garder plus. Après, je dis ça, c'est faux. Parce que si je trouve Rilak et c'est le but, on le garde. Donc, sign tout ça. Pour avoir du coup un plus 2, plus 1 au lieu d'avoir un plus 1, plus 1. Ouais. Ok. Bon, pour le moment, je suis faible, mais c'est quand même cool comme shop pour après. Merci, Onyx. Je mettrai les games des Lobby Legends demi-finale demain sur YouTube et après-demain la finale. Le
vilain Carniflore. Vilain Carniflore, t'es pas beau. T'es pas beau, Carniflore, t'es pas beau. Toute défaite qui ne vous détruit pas. No. Après, Chlordera au tempo, sa 4, voire même l'oiseau, ça peut être quelque chose, bon. Après que le Chlordera est cool. Peut-être je prends quand même le Chlordera, sa 4. Je pense que oui. Un choix tactique intéressant. Allez, allez, allez. Master Roll, mais c'est pas des conneries à tenter de bouffer. Il fait beaucoup de stats encore une fois. Probablement. Mais je peux pas roll avant parce que s'il y a Rilak dans le shop, c'est terrible ou un autre truc cool quoi. Théoriquement, c'est lui que je dois booster parce que c'est lui que je suis censé garder avec Rilak derrière. Nice. Pas de Rilak. Nevolki. Bonsoir Melonello. Bonsoir, bonsoir. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Tempo. Je regarde quasiment tous les soirs depuis des années, surtout depuis Batorand, même si je suis la chaîne depuis 2016, merci beaucoup, continue comme ça. Merci pour ton message, Fabdator. Merci beaucoup. C'est gentil. Il pense toi là, le chat est dans la caisse. Oui, 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 je te vois. Je vais même pas mettre la camcha parce que j'ai un autre setup là. Ouh, on a le Rilak. Ok. On a le Rilak. On va même faire ça. On pourrait une parole et chercher un autre Rilak, un autre gangrené, c'est pas déconnant. Trouver le Hara, c'est peut-être un peu compliqué le Hara dans ce setup. Le setup des gemmes. Trouve un autre Rilak. Vas-y, go roll. Oh, waouh, 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 waouh. Le problème, c'est qu'il y a pirate, donc il faut faire gaffe au cleave. Ça, c'est chiant. Par contre, je suis pas censé acheter la 7-4. Du coup, j'ai l'impression, je pense que je vais prendre Rilak et roll. Et placer un truc comme ça. Après, je peux acheter à 7-4 au-dessus Chlordera, virer Chlordera, mais. Ou même virer lui pour avoir un peu plus de stats, mais. Ouais, à la limite, ouais, mais je parle les rolls, Osef, vas-y, go faire ça. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Lui, il proc pas d'ailleurs, je crois. J'aurais pu virer lui du coup. Il proc pas lui en combat, je con. Je crois que lui il proc pas de toute façon. Hein. Après, j'ai gratté des rolls pour essayer de trouver le Rilak ou autre en plus. Donc c'est pas déconnant. Meurs pas toi. Bon, il va pas mourir, ça va être cool. Ah non, elle proc pas, elle proc pas. Logique. En gros, ce qu'il proc au combat. Enfin, ça c'est permanent, donc c'est insane. Le pirate aussi c'est permanent, j'ai gratté un gold. En fait là j'ai gratté plus 2 à tous les shops. Ce qui fait que si j'arrive à faire le transig en gros peut-être ça après sera bien. Si je trouve des trucs à bouffer, ce sera pas mal aussi dans les shops. On va quand même up pour essayer de chercher Crotal ici. Il faudra virer le Chlordera dans ce cas-là. Et on peut trouver aussi un Rilak ou quoi. Je pense que je dois roll ici, je dois beaucoup roll. Osef. Bête. Le problème c'est vraiment un cliff, c'est très chiant si j'en chope pas. Si je m'en prends. Wow, nice. Huge. On va rentrer ça et je peux encore roll, virer E2 et retrouver un autre truc. Bois. Crotal, tu veux dire oui, Crotal, je veux absolument. Je vais quand même garder lui pour gratter un gold plutôt que ça. En vrai, Osef, vraiment. De lui.
Est-ce qu'on peut avoir mieux que ça sur un autre shop? Jug. Ah, tu veux dire la tasse? Ouais, non, on cherche vraiment les cartes clés là pour scale de fou. On pourrait prendre la paire sur le pirate. On pourrait prendre ça. On peut juste troll autrement. Peut-être prendre la paire pour la tenue honnêtement. J'ai 3 paires. Là, je vais probablement perdre, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même un giga scaling. Et si j'ai un triple et que je peux essayer d'aller chercher Grand Groupe, c'est incroyable. La compo synergie avec Bran, et va y fendre. Du coup, tripler aussi pour du sac, c'est vraiment cool. Et après, ce que tu veux faire, c'est essayer d'acheter des très très bons serviteurs via staté quoi. Genre là, si je trouve un pirate cleave, il sera quand même pas déconnant en termes de stats. Je sais pas si t'as remercié Pitswan pour 16 mois. Je crois que oui, j'ai un doute, je sais pas. Merci à toi. Alzheimer, quand tu me tiens. Grâce au pirate, j'ai. Pourquoi j'ai 2 goals? Bah oui, j'avais joué l'autre aussi. En sac, il y a le poney hein, qui est cool. J'ai quand même envie de up. Ah, il y a ça qui est trop bien là. Ok. Je vais quand même roll voir si j'ai pas un triple avant, tant pis, j'ai pas up. Il y a le crotal, trop bien pour eux. Qui est pas ça? Pourquoi il est triste? Faut pas être triste, mon gars. La vie est belle. Non, Elise, c'est pas la place pour jouer avec. Enfin, je pourrais virer le pirate, mais bon, j'aime bien vraiment tripler l'autre. T'avais un cleave dans le shop? Ouais, après, je suis pas obligé d'acheter maintenant. Si je peux continuer à scale, c'est fine, vu que j'ai pas perdu. Alors, foutre dans le pool. J'aime bien tripler, mais pas ça. Enfin, c'est pas mauvais, mais je peux trouver. J'aime bien trouver mes propres triples. Comme un grand. Je peux peut-être quand même prendre le cleave de côté. Je sais pas, je vais double crotal. Ouais, c'est qu'il est 19, ouais. Pas non plus insane en vrai, mais bon. C'est vraiment super cool le triplé. Je vais devoir rentrer le pirate au prochain tour, j'imagine. Et virer les pirates gold là si je touche pas. Ça va, prend pas trop cher, c'est cool. Bonsoir Dano. On a pas forcément besoin d'up très très vite avec ce setup. Juste tripler une two vie fort brand serait cool. Ouais, je peux up pour les toucher, mais bon. C'est pas parce que j'up, je vais les toucher non plus, et surtout, j'aurais pas beaucoup de thunes pour les toucher. Quoi, j'ai pas eu la thune, il a eu un cleave, j'ai pas fait gaffe. Ah, l'autre est mort avant de taper, peut-être my bad. Ça doit être ça. Ok. Je vais laisser lui pour proc là-dessus, et je vais à nouveau roll pour ses triplés. Bête. Si je trouve Sindorae, je peux l'acheter. Ok, on a le triple. Vaifond ou Bran. Je peux essayer de choper le démon là-dessus. Pour le triple. Autant prendre celui qui me met le moins de dégâts, c'est lui. Je prends 2. HP en moins. Cinderace serait cool.
Ah, le trip, let's go. Et il y a le maître de guerre. Le problème, c'est que j'ai trop d'HP probablement. Ah, je vois ce que vous voulez faire. J'ai perdu des points de vie, je peux prendre ça. Je peux quand même prendre ça, même s'il n'y a pas beaucoup d'HP. Je suis pas obligé de le jouer maintenant. Et je peux vendre et racheter un autre truc. Juste le garde en main pour si je perds d'HP. Bien qu'il procrée avec eux, mais le problème c'est que j'ai trop d'HP là, de toute façon, pour moi. Et je prends le gardien de bronze. Il me manque un cri de guerre, mais c'est ok. Enfin, je pourrais poser ça, mais pas là. Mais ça, passer les taunts, tout cleaver 3 peut-être, en tout cas de tenter. On pourra virer Crotal après. Si je perds, je jouerai Giga Démon, surtout que eux pourront proc soit démon. Sauf en cas de pirate, c'est ça le danger, c'est qu'il y a perte dans la game. Du coup, sur la cliff, c'est très chiant mon setup. Mais là, l'idée, c'est que les shops sont très gros, donc on peut aussi aller chercher avec Urzul. Jouer avec Urzul pour booster mon board. Il a joué le cleave. Urzul peut être cool et surtout après Transig en groupe terre, c'est le plan. Hein. Le gold dans l'ast, tu aurais plus de chances de proc plusieurs fois, non? Ouais, mais sur cleave, j'ai plus de chances de me faire douiller. Même si je joue bête, on sait jamais qu'il est boosté à pirate ou quoi. Donc je me méfie quand même. Le shop va être énorme. Ce serait énorme si j'avais chopé Vifond ou Bran. Parce que Vifond et Bran, les deux proc dessus. Là, c'est pas mal, mais ça pourrait être beaucoup plus dingue. 16 gold, miam miam. Hop là. Ça peut bouger. Miam, 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 miam. À table. Mais t'avais dit que tu ferais des knackis. Oh, ta gueule. Mange qui à table là. C'est pour table, ce gamin, là. Gosse, là. Mal éduqué, va. Te plaît jamais. Vulgaire. Vulgaire? Moi, vulgaire? Comme ça, vulgaire, toi. Je pense que je vais virer les deux. Je vais roll, je vais essayer de choper un démon, non? On pourrait virer le gardien de bronze, en vrai. Yep. Lui, il est trop petit, on s'en fout. Et comme ça, lui, on le fait reproc avec les rilac, tant qu'à faire. Oh, deuxième Ursule, là. Mais je peux pas vendre avant sauf si ouais si je le bouffais pas ouais. That's fine. It's okay. It's okay. On va acheter des démons je crois dans cette game. On va le freeze hein. Toujours des démons de plus à acheter. Bam bam. Hop là. Il est déjà 100. Bah là, ils vont prendre des gigastats chaque tour, là. Le problème, c'est que c'est une strat, tu peux pas non plus giga forcer, entre guillemets. Mais l'avantage, c'est que quand tu joues avec Grilak et qu'il y a démon plus Uran, tu peux soit jouer avec Gangrené, soit aussi jouer, bah, comme on a vu d'ailleurs dans Lobby Legend, avec le Jazz. Hein. Après, le Jazz, ça fait moins de choses. Enfin, c'est plus fort, plus vite, mais encore que... Et surtout, comme je dis, il n'y a pas Murloc, donc je suis vraiment plutôt à l'aise là. Même si à tout moment, on tac Carniflore qui a fait des bêtises. Mais bon, vu les dégâts qu'elle a mis, j'ai l'espoir quand même. J'ai l'espoir de pouvoir m'amuser. Vous êtes en tête. C'est dans la poche. Ouais, lui, je vous Rilak, j'aime, mais ça va faire moins de bêtises que moi. Ça va faire beaucoup moins de bêtises.
Ouais, c'est ça, tue les Rilak. Allez, tue les Rilak, c'est parfait ça, mon grand. Ah ouais, c'est parfait. Ah ouais. Du coup, tu aurais tendance à rester plus longtemps en 3. Ouais, mais clairement, hein, quand t'as bon setup. Et... En fait, tu peux rester en 3 quand tu commences à choper des pièces de la compo, tu vois. Si tu chopes gangrené ou Rilak, tu peux essayer de forcer un peu plus. Après, ça dépend du setup que t'as, quoi. Mais oui, ça se fait clairement. D'ailleurs, c'est ce que le mec a fait le Legend. C'est ce que j'avais cool, d'ailleurs, qu'il pouvait le tenter. Et ça a clairement payé, donc GG à lui. Et ben, on va bouffer des démons. On vient à la tenue. On pourra pour le gangropter, mais faut-il le choper. On pourrait aussi choper Vaiford et Bran, histoire d'encore plus booster. Pop. Je sais pas, la game va être rapide là. J'ai juste envie d'être big contre lui parce que lui il a l'air de faire des dingueries. Hein. Je pense qu'il vaut mieux que je sois big là, rapidement. Parce que le mec Curan, faut le respecter, je crois, dans la game. Je crois qu'il faut respecter le monsieur Uran. Ils ont bien grossi en atour. Ok, c'est gratuit, donc je peux retenter encore un roll derrière. Il y a un bon poney, mais... Bon, il est petit, quoi. En vrai, il est petit. Let's go. I'm back. Ah oh ouais. On a bien bouffé à la cantine nous deux. Ah hein. Oh ouais. Ah oh, c'était super bon. Ah oh ouais. Toi aussi t'as bien mangé? Ouais, moi j'ai bien mangé. Le mec fout le con là. Ouais, je... Par envie quoi. Ah ça c'est les games qu'on aime. Hein. Et comme je disais d'ailleurs, si vous chopez Vaiford ou Bran, bah avec eux, ça, le Vaiford fait proc deux fois le Ral d'Agonie et du coup deux fois le proc avec eux. Ou alors le Bran bah, fait proc deux fois lui via Rilak. Donc Bran et Vaiford marchent dans le setup. Ouais, je pense que c'est top à la game. Après, je me méfie de lui parce qu'il a mis des claques, mais quand même, ça va être chaud de me contester. Mais on va voir. Sachant que derrière on peut se renforcer après en virant Rilak, etc. Tu vois, on peut rentrer des bonnes cartes. Ouais, le danger c'est l'Heroi Mantid vu que j'ai mes deux gros qui sont tontés, mais bon. L'avantage c'est que j'ai pas de poids de vie donc j'aurai le temps quand même de trouver des trucs. Quand même. Ça va, je trouve le démon aussi qui boost pour booster eux. Qui bouffe pour booster eux. Ok, on est contre Vardon qui joue à première vue du full. Ah bah ça j'en parlais, voilà. Après j'avoue que si je up, que je tente, il y a Crotal qui peut marcher, le Hara qui peut marcher avec eux, mais bon là sur ce timing là c'est mort. Hein. J'ai quand même envie de laisser parce que c'est marrant. Oh. Merci Jerem, merci beaucoup. Il va me manquer un gold pour acheter l'autre. Hein. Hop, découverte. Ah. 23. 3, c'est beaucoup. Hein. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. 23, c'est vraiment beaucoup. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné.
Leroy il va l'outrer, je sais pas, l'autre a l'air big quand même. Hein. L'autre a l'air vraiment big. On va juste faire ça, roll et Leroy. Hein. J'aurais pu laisser le démon découvert, j'avoue. J'avoue, après... Scale encore, ça reste bien marrant, mais j'avoue que je pouvais garder aussi le démon découverte et virer ça d'ailleurs, c'est mieux. Ouais, je suis d'accord. Yep, Fosef. Ça fait peur quand même, il a vraiment... il a mis des claques. Hein. Après, j'ai quand même des gigastats. Mais au moins, eux, ça me permet d'avoir des taunts pour protéger de l'Heroi Manti, c'est ça que je me dis. Contre Full Uran, il peut avoir le giga duo, donc ça faire, c'est cool. Le freeze on Leroy, c'est cool, je pense. Ouais, j'aime bien comme ça. L'autre a l'air big. Bah, après, je suis énorme, hein, mais le problème, c'est que j'ai peur du Roy Mantis de fou. J'ai peur des toxis de fou. Il y a la toxique bien relou. Elle va taper à droite, donc ce sera pas un problème. Voilà. Mon toutou. Ah mais il lui redonne la gemme avec ce truc de merde là. Lui lui redonne la gemme, du coup il rechoppe la toxie. Oh le relou. Et il est quand même big, regardez ses poids de vie là. Il a des... Wouah, on a pris la toxie. Je vous ai dit hein. Je suis big mais... C'est très très gros en face. Il a 1 milliard de poids de vie. Oh, j'avais quand même bien raison de me méfier quand même. Tour 12 de titan. Ouais. Bah, il a eu le Vifort doré lui en fait. Du coup, il a scale beaucoup plus que moi. C'est juste qu'il scale moins. Enfin, c'est moins abusé visuellement les Uranes. Enfin, ça fait moins d'agri que les Uran, mais que les démons, je pense. Mais vu que les Valfort dorés, ils compensent de fou en termes d'HP, de stats, etc. Quoi. Contre. Faudrait que je tourne les deux Leroy. Ya. Yeah. Après, il faut quand même que je les stats. Hein. Ya. Yeah. On vire Rilak, je pense pas, parce que Rilak protège quand même les toxies pour un moment, donc en vrai Rilak pour moi il reste. Le jeu, Rilak il reste tant que je trouve pas de taunt, là je vais faire ça et c'est de choper. Zap ou cleave, bah non, zap ça fait rien contre son board. Zap ça fait rien du tout contre son board. Pareil, c'est pas si ouf là. Si ton zap est énorme. Oui, si je vais le choper, oui, si j'up. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais même en vrai, même avec un gros zap, ça fait pas tellement, j'ai pas l'impression. Le cliff 50-50. Pas sûr qu'il fasse le travail. Hein. Pourquoi ne pas virer le démon doré plutôt que le taunt? Quel taunt? Ah! Parce que je continue de scale. Cleave c'est lourd, mais le cleave il redonne tellement de gemmes. Moi je pense qu'il faut que je scale eux pour qu'ils aient un milliard d'attaques, qu'ils aient plus d'attaques et que je trouve du taunt éventuellement. Je pense vraiment que leur donner des stats, s'ils se prennent pas de toxic, c'est trop important parce que plus on attaque, plus ils pourront trade des trucs qui ont un milliard de poids de vie. Ils ont besoin d'avoir beaucoup d'attaques pour les détruire en fait. Je donne tellement d'attaques en fait. Je pourrais tenter un roll, voir d'un truc éventuellement et trouver un taunt, pourquoi pas. Parce qu'il faudrait vraiment que les Leroy soient tauntés. Dommage, j'ai pas eu de démon là. Ah. J'ai un taunt, je le freeze. C'est trop important que les Leroy soient tauntés, je pense. Trop important. Je pense que je dois reculer ça parce qu'il va peut-être taunter une Toxie ou autre. Je suis obligé de me méfier. J'aurais peut-être dû reculer les Leroy en vrai. Par rapport à ça.
Je sais pas, il va du trade, c'est pas si gênant. Ok, il a snipé d'entrée. Hein. Bon, après, au moins, elle est morte. J'en ai perdu un, mais... Il refera pas sous les aides de Toxie. C'est vrai que les Leroy, pour le coup, ils prennent pas des très bons trades, là. En même temps, si... c'est pour ça qu'il faut que je les taunte. Ouais, Cinderay peut... Ouah, Cinderay est même pas si bien. En vrai, vraiment, avoir un max de stats sur Meyrzul pour qu'ils défoncent eux, c'est trop bien. Parce que regardez, ils ont beaucoup d'HP, mais ils manquent d'attaque. Et du coup, si eux ont beaucoup d'attaque, bah lui, il peut peut-être quasiment tout fumer, tu vois. Mais il a besoin d'avoir plus d'attaque. Parce que beaucoup d'HP, bah ça va quand en face, ça a pas trop de stats. Mais il a tellement d'attaque qu'il peut, il peut limiter un V9, lui. Même si je m'en fais Toxia, c'est pas gênant, tu vois. Mais pour que ça marche, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'attaque. D'où l'intérêt de full bouffer. Alors que le cliff 50-50, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse contre des ports qui ont 50 attaques et 1000 HP, tu vois. Le cliff, il faisait rien, alors, ouais. Fallait juste un max de stats sur les Urzul et protéger Urzul. Parce que je savais qu'il allait avoir 1000-2000 HP, mais pour contest, il fallait de l'attaque. Et protéger les Urzul. Le démonte à 22 fonctionne avec la liche? Ouais, ça protège tes HP. Game YouTube? Ouais, je pense que je la mettrai sur YouTube, ouais. Mais là, tu vois typiquement que... Que, bah, en soi, le setup démon, c'est quand même plus fort que le setup Uran, parce que lui, il avait carrément le Vifort doré, il a pas pu contest. Le cleave détruisait son boost de gemme pour le deuxième proc. Si il avait pas changé le positionnement de A et de 2, ouais, mais c'est-à-dire que je joue à cleave à la place d'autre chose. Et je joue le cleave à la place de quoi? Je préfère largement les Leroy, à la limite, je pouvais envisager de virer ça, mais bon. Ça, c'est encore pour peu qu'il ait pas changé de placement. Et t'es pas sûr qu'il va pas changer son placement aussi. Ah, la game était vraiment cool. Hein. Après, la game était très très vite. Du coup, je savais que contre lui, je me méfiais quand même. Parce que parfois, on peut dire, ouais, en vrai, il aurait pu être giga nul. Mais il avait un sacré board. Hein. Il avait un sacré board. Si change le placement, il a plus les gemmes dans le fight. Si, il peut l'avoir avec le Uran T26. Si jamais il le joue. Le Uran T26 qui peut ramener les gemmes dessus. Bon, c'est peu probable, mais c'est possible. En soi, c'était possible aussi. Mais en vrai, son setup est cool. Hein. Il avait un setup vraiment cool. Donc oui, le cliff pouvait faire un travail. Je suis d'accord, le cliff pouvait être vraiment cool. Mais il aurait pu, je sais pas, avoir un deuxième taunt et le cliff qui tape mal, ce genre de choses. Mais je suis d'accord aussi que le cliff pouvait faire un gros travail parce que... Le Uran qui fait des gemmes, plus le Vifant, plus le fait que les gemmes soient boostées, ça donnait vraiment full stats.